Bonjour à tous. Jean-David Chaplin-Viscardi, je suis entomologiste et je suis responsable du laboratoire d'éco-entomologie. Et aujourd'hui, dans ce colloque, je vais aborder un sujet d'ouverture et vous faire découvrir un groupe d'auxiliaires méconnus à travers une analyse des communautés de guêpes sphécides en grande culture. Alors, les guêpes sphécides sont composées d'à peu plus de 400 espèces en France et sont regroupées en trois familles, les ampulicidés, les sphécidés et les crabronidés. Et d'un point de vue phylogénétique, on utilise le terme guêpe sphécide, mais il est important de signaler que ces sphécides sont plus proches phylogénétiquement des abeilles sauvages que des vraies guêpes, que sont les vespiformes. Et donc voilà, on utilise le terme guêpe sphécide par commodité, mais il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est vraiment un groupe qui est proche des abeilles. L'alimentation des larves se fait généralement par la femelle qui établit des nids et qui va chasser des proies et ramener les proies au nid pour alimenter la larve. Chez les sphécides, on a plusieurs guildes trophiques puisqu'elles ont un spectre alimentaire assez large. Et selon les espèces de sphécides, vous avez une prédation qui peut être plus ou moins spécialisée, avec les espèces qui sont cantonnées à un ordre d'insectes, d'autres à une famille d'insectes, ou encore d'autres encore plus spécialistes à un genre d'insectes bien particulier. On voit là ici une femelle qui ramène un puceron au nid et ici un nid qui est garni de pucerons. Les adultes, eux, sont floricoles. Donc, eux, ils vont s'alimenter avec du nectar et du jus sucré au niveau de la végétation. Et ils ont une activité, leur activité alimentaire, en fait, contribue à la pollinisation des plantes. En termes de nidification, on est vraiment sur un schéma très proche de la nidification des abeilles, avec des groupes écologiques différents. Les généralistes, des espèces généralistes, elles peuvent nidifier partout, au niveau du sol ou dans les végétaux. Les terricoles, eux, se retrouvent qu'au niveau du sol, établissent leurs galeries dans le sol. Et puis les trois catégories suivantes sont liées à la végétation. Donc vous avez les espèces rugicoles qui nidifient dans les tiges creuses. Les espèces xylicoles qui, elles, vont nidifier dans le bois mort et réutiliser des galeries d'insectes xylophages notamment. Et puis les espèces à nidification mixte qui, elles, peuvent nidifier partout, à partir du moment où il y a des cavités préexistantes. C'est le cas notamment de sphécides qui sont capables de réutiliser des galles après le départ de l'insecte qui est responsable de la gale. Donc il va recoloniser et investir les galeries dans ces structures. Alors, les résultats que je vous présente ici ont fait l'objet déjà d'une première étude en 2015 de six exploitations agricoles auxquelles on ajoute via des données issues du projet REGAIE qui est piloté par le lycée agricole de Quetigny. On ajoute donc des données supplémentaires en France pour avoir des données plus exhaustives, plus complètes de ces communautés en grande culture. Le but est de caractériser ces communautés, d'apporter une analyse de la structure trophique, donc savoir quelles sont les proies qui sont chassées par les sphécides en particulier, et puis connaître aussi les habitats utilisés par les sphécides, quels sont les habitats qui sont importants, qui sont utilisés par les sphécides dans les agrosystèmes. Vous avez ici la carte des exploitations, avec en noir les exploitations dont nous avions déjà des données, et en rouge les quatre exploitations de Côte d'Or pour lesquelles on a réalisé un suivi en 2019 dans le cadre du projet REGAIE et qui ont été ajoutées à l'analyse. Donc en tout, on a deux tentes malaises par exploitation, donc soit 20 tentes malaises qui ont tourné. Chaque tente malaise est distante de 500 mètres,
l'une de l'autre. Et puis, donc, la tente malaise, donc, c'est un piège d'interception hein, qui collecte les insectes qui volent et qui, au contact d'une toile verticale, se retrouve piégé dans un flacon collecteur. Le flacon collecteur est collecté une fois par semaine et les suivis ont lieu de mi-avril à fin juillet. Et certaines exploitations ont été suivies jusqu'à début août. Au laboratoire, donc, les échantillons sont réceptionnés et on trie les insectes pour en isoler les auxiliaires et notamment les spécites que l'on va identifier au rang spécifique avec donc des collections à l'aide de collections de référence et de la bibliographie. Chaque espèce identifiée est on attribue à chaque espèce identifiée un trait fonctionnel. Donc une guilde trophique, donc les proies consommées par cette espèce, les proies connues bien sûr, et les modes de nidification connus. Voilà, donc parmi les résultats, voilà la distribution des spécides dans notre jeu de données. Donc on se base sur une étude d'un peu moins de 1900 spécimens pour une diversité de plus de 100 espèces, ce qui représente quand même un quart de la diversité française, donc ce qui est un nombre d'espèces assez important. Et on voit en termes de distribution que la plupart des espèces, enfin que 5 espèces en fait dominent largement dans le jeu de données, avec plus de presque 44% des effectifs. On a aussi 10 espèces qui sont subdominantes, et puis 91 espèces qui sont des espèces dites compagnes, qui sont présentes en des effectifs très faibles. Ce qui est intéressant, c'est que nos résultats, soit déjà dans la distribution des espèces, mais aussi la composition même, avec notamment un genre dominant, Tripoxylon, et l'espèce Tripoxylon clavicerum, mais aussi d'autres genres comme les Psenulus, les Crossocerus, les Passaloecus, montrent en fait une certaine analogie avec des résultats d'études de suivi de spécides en fait en milieu urbain. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'une analogie forte entre ces résultats de compte culture et les résultats de suivi en milieu urbain. Et ce qui ressort à chaque fois, c'est que les ces genres et ces espèces sont assez fréquents, sont des espèces assez communes, assez largement réparties en France, et ce sont des espèces qui sont quand même très tolérantes et donc qui ont une certaine adaptabilité aux conditions environnementales. Les communautés donc de spécites sont diversifiées donc dans les grandes cultures, mais montrent une distribution assez entre guillemets déséquilibrée, qui témoigne en fait de facteurs probablement de perturbations, et on verra par la suite dans le cadre des sites de nidification au niveau des communautés terricoles qui finalement sont assez peu représentées dans ces agro-systèmes. Alors voilà la structure trophique, donc les proies consommées par les spécides dans nos relevés. Ce qu'on remarque déjà, c'est qu'on a différents groupes qui sont concernés, des homoptères, les arachnides, donc les araignées qui sont également chassées, des trips, des coléoptères. On a aussi des prédateurs d'orthoptères, donc qui sont dans la catégorie autre, des prédateurs de blattes. Vous avez en A donc les effectifs et en B la diversité de spécides rencontrés. Et ce qui ressort dans un premier temps, c'est trois groupes importants, les chasseurs d'homoptères, les chasseurs d'arachnides, mais aussi les chasseurs de diptères. Donc les chasseurs d'homoptères sont abondants et diversifiés, les chasseurs d'arachnides sont abondants mais assez peu diversifiés, et les chasseurs de diptères sont moins abondants, mais sont aussi diversifiés. Et parmi les chasseurs d'homoptères, donc on retrouve
en majorité donc des chasseurs de pucerons, et puis aussi donc des chasseurs de cicadelles et des chasseurs de psylles, mais en grande majorité, ce sont des chasseurs de pucerons. Et si on ramène à l'ensemble des effectifs, les chasseurs de pucerons représentent 33% des effectifs, donc un tiers des effectifs de sphécides rencontrés en grande culture. Maintenant, si on s'intéresse au substrat de nidification, il y a quelque chose de très important à voir dans un premier temps, c'est que la majorité, donc en A, vous avez l'abondance des effectifs, et en B, la diversité. On a une grande diversité et une forte abondance de sphécides qui nidifient dans la végétation. Ça, c'est très très important, avec finalement une diversité un peu plus élevée d'espèces qui nidifient dans le sol, mais en termes de quantité, ça représente assez peu de spécimens. Et parmi les espèces qui nidifient dans la végétation, on a surtout des espèces qui s'installent dans des cavités préexistantes, qui sont assez adaptables. Lorsqu'on regarde les trois grandes catégories trophiques qu'on a relevées juste avant, on se rend compte qu'en fait, dans ces catégories trophiques-là, la plupart des spécimens nidifient dans la végétation. Et particulièrement, donc, vous voyez, tous les chasseurs d'araignées nidifient dans la végétation. Une grande part de chasseurs de diptères dans la végétation, mais quand même une partie importante dans le bois mort. Vous voyez les xylicoles là, qui sont quand même assez bien représentés. Et les chasseurs de motères, eux, en grande partie, aussi se cantonnent à des nids établis dans la végétation. Et c'est plutôt dans les guildes trophiques moins importantes, dites entre guillemets mineures, qu'on retrouve des spécides qui nidifient dans le sol. Petite chose importante aussi à signaler, c'est que les spécides qui sont terricoles et qui se retrouvent dans les chasseurs de motères sont tous des sphécides qui chassent des cicadelles. Et alors, dans le cadre de cette analyse, on a pris trois exploitations qui présentaient une configuration particulière, c'est-à-dire des tentes malaises, trois exploitations qui avaient au moins une tente malaise qui était isolée d'un élément boisé, donc une haie qui se trouvait dans une bande enherbée, avec dans un rayon de 300 mètres, aucune structure boisée de type haie ou lisière forestière. Et ce qui ressort, c'est que sur ces trois exploitations, on a 90% des individus qui étaient dans la tente malaise près d'une lisière de bois ou une haie, et seulement 10% des individus dans la tente malaise qui étaient isolés de ces éléments. Et pour la diversité, pareil, on avait une forte disparité entre une tente malaise située près des éléments boisés, donc 43 espèces, et 9 espèces seulement dans la tente malaise qui étaient dans une bande enherbée au milieu des cultures. Donc ça plaide vraiment, tous ces éléments plaident pour des communautés en fait qui se trouvent localement près et au niveau des éléments boisés dans les écosystèmes, dans les agrosystèmes, pardon. Ce qui est entre guillemets logique, puisque ces habitats en fait sont les plus protecteurs, constituent des zones de nidification assez abordables, notamment pour les espèces qui sont adaptables, même si ces micro-habitats sont assez limités dans l'agro-système. Les sols et les talus, eux, accueillent des auxiliaires qui sont spécifiques, qui sont assez exigeants et qui, du coup, ne peuvent se maintenir dans des secteurs où, notamment, on a une perturbation du sol. Et c'est vrai que dans les agro-systèmes, la surface de sol non travaillée est assez limitée. Et donc, ça explique aussi pourquoi on a des catégories de spécimens, enfin des communautés de spécimens terricoles moins abondantes
dans les relevés. Voilà, donc en conclusion, sur ces sphécides, donc on peut dire que ce sont des communautés qui sont assez variées, qui représentent quand même une diversité importante, mais assez communes et très similaires des communautés de milieu urbain. En termes alimentaires, donc on a beaucoup de prédateurs d'homoptères, d'araignées et de diptères, avec en particulier des chasseurs de pucerons. Et là, c'est important pour les études futures sur les aphidiphages, où ça fait vraiment partie d'un cortège à intégrer dans les études sur les liens entre les aphidiphages et la régulation des pucerons. Et en termes de substrat de nidification, ce sont des espèces qui sont, les sphécides sont quand même bien cantonnés aux éléments végétaux dans les structures extraparcellaires et notamment dans les haies et les lisières les lisières forestières, qui sont finalement des habitats assez limités et qui nous encouragent à revoir un petit peu et à repenser l'aménagement extraparcellaire, et notamment pour la mise en lien des zones favorables et des corridors écologiques autour des parcelles cultivées. Voilà, je vous remercie pour votre attention.